Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous m'envoyez un petit cœur par message sur mon Discord. Mon Discord, c'est Nadrichard, pas utile futile, c'est pas vrai. C'est Nadrichard, ça s'écrit avec deux H. Et vous m'appelez, vous m'envoyez un petit cœur par message privé et moi je vous appelle et je vous trouve le love, ça va être sympa. Artemis égale Eva Green dans 300 ans. Alors déjà, je sais pas qui est Eva Green. Et ensuite, je comprends pas pourquoi tu dis ça, mais t'arrives avec un peu de retard. Mais c'est pas grave, Virloc, bienvenue sur la chaîne et tout va bien. Elle est gavée, sympa. En plus, c'est Gertrude. Ah bah voilà, Marie Cazot a parlé. Elle est sympa. Je connais Benjamin Castaldi. Tu veux que je te fasse rentrer dans le prochain Secret Story? Non. Non, je ne souhaite pas faire Secret Story. Enfin, si. Oh, non, mais alors, pardon. En attendant que vous m'envoyez des petits cœurs par message privé, je vais répondre à cette question parce que si, j'adorerais faire Secret Story. Mais genre, je kifferais de ouf. C'est vraiment la télé-réalité que j'adorerais faire. Parce que le jeu en lui-même de trouver les secrets, moi, ça, j'adore. Mais par contre, je suis désolée. Mais dans Secret Story, t'es obligée de te taper la fiche. Plus jamais je vais tourner dans un truc. Plus jamais j'aurai un rôle dans quoi que ce soit si je vais dans Secret Story. Tu vois ce que je veux dire? Mais évidemment que j'adorerais. Ça doit être trop drôle de jouer à ce jeu-là, tu vois. Mais bon, voilà, je refuse de me taper l'affiche au passage. Donc je ne ferai jamais ça. Voilà, et bon, de toute façon, si tu veux, on m'a pas proposé, donc tout va bien. Je ne pine le message et je vais voir quel est ton pseudo Discord, Nadia. Pour la énième fois, c'est Nadrichard, ça s'écrit exactement comme là. N-A-D-R-I-C-H-H-A-R-D, il y a deux H. Et vous m'envoyez un petit cœur par message privé, comme ça je vous appelle et je vous trouve le love. Et ça va être très sympa. Surtout, ça doit saouler de se séparer du bébé pendant des mois. Grave, maintenant, en plus que je suis maman, si tu veux, j'ai absolument pas envie de partir pendant ne serait-ce qu'une semaine loin de mon baby. Non, j'ai pas envie. Alors, je vais sur Discord et je vais voir qui m'a envoyé des petits cœurs. Bonjour, je t'envoie ce petit message. D'une part, pour te remercier de ta gentillesse et ta bienveillance, ainsi que tes beaux conseils. Et d'autre part, pour te demander s'il est toujours possible de participer au speed dating. Mais bien sûr, j'accepte le DM et j'appelle cette personne qui me remercie de ma gentillesse et ma bienveillance. J'aime beaucoup ce genre de petits messages. On appelle cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Allô, allô? 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 On va attendre que cette personne réponde. En attendant, je reste avec vous. Ok, merci. Donc, pas de Koh-Lanta prévu. En vrai, Koh-Lanta, je kifferais. Je trouve que tu tapes moins l'affiche dans Koh-Lanta que dans Secret Story. Même si, attention, Koh-Lanta, non, en vrai, c'est pas vrai, je kifferais pas. Moi, j'aime trop manger, j'aime trop dormir dehors. En fait, c'est même pas l'absence de bouffe qui me ferait mal. C'est le fait de dormir dehors avec les grosses bestioles, là. Honnêtement, ça me ferait pas marrer. Je kifferais pas. Je pense que je tiendrais pas. Bon bah Alphonse il répond pas, ou Gertrude d'ailleurs, cette personne ne répond pas. Allô? Allô? Bon bah cette personne ne répond pas, écoutez c'est malheureux mais tant pis. Allez! Et bah on appelle un autre Alphonse qui m'a dit... ah si, non. Ah voilà, super. Allô? Allô Nadia? Bonjour Alphonse, comment ça va? Hein, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, impeccable. Et toi, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien également. Quel âge as-tu, Alphonse? 33 ans. 33 ans, ok. T'habites dans quel coin? Metz. Metz. Dans le département de Bruxelles. Mais je sais où est Metz, figure-toi. Je ne suis pas peu fière. Oui. T'es plutôt un bisounours ou un indépendant? Bisounours. Bisounours, ok. Tu cherches un homme, une femme, les deux? Une femme. Une femme, entre quel âge et quel âge? À partir de 25 ans, 25-35 ans. D'accord. Et genre, pas de limite d'âge, genre quelqu'un de 60 ans peut te contacter. Voilà. Allô? Allô? Oui. Donc oui, il n'y a pas de limite d'âge, genre 60 ans, c'est ok pour toi? Ouais. Ok, il a faim, Alphonse. Ça marche. Tu cherches du sérieux ou à t'amuser? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Peu m'importe, je suis à toute proposition. Tu es d'accord, très bien. T'es célibataire depuis combien de temps, mon Alphonse? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Pourquoi ta dernière relation s'est terminée? En fait, je suis sorti avec une fille qui avait un handicap psychique. Au début, on s'entendait bien, on était heureux. Puis du jour au lendemain, ben, ça a cassé. Quel rapport avec le handicap psychique? Eh ben, c'est à cause de ça que notre relation s'est terminée, en fait. Je comprends pas. Ben, en fait, à cause de son handicap, eh bien, notre relation a pris du plomb dans l'aile, en fait. Ben, je comprends toujours pas. Est-ce que tu peux développer?
Bah, pour faire simple, à cause de son handicap, eh bien, notre relation a cessé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je n'avais plus de nouvelles, plus rien du tout. Ah! Ok, t'es sûr que c'est à cause de son handicap? Parce que sinon, ça peut aussi s'appeler du ghosting. C'est possible aussi, oui. D'accord, ok, mais tu préfères te dire que c'est à cause de son handicap. Oh, je ne sais pas exactement quelle est la cause principale de son ghosting, en fait. Ok, très bien. Et vous étiez restés longtemps ensemble? Oui, à peu près 2 ans. Et au bout de 2 ans, plus de son, plus d'image, rien. C'est ça. Waouh, et t'as plus jamais eu de nouvelles? Non, et elle a attendu un bon moment pour me dire que c'était terminé entre nous, genre 8-9 mois. Mais C'est-à-dire tu qu'il t'en s'est écoulé doutais? 8-9 mois entre le moment où elle m'a ghosté et le moment où elle a fait l'annonce. Oui, enfin, tu t'en doutais que c'était terminé du coup, comme t'avais plus de son, plus Oui, d'image. oui. Wow, putain, c'est violent! Allô? Oh. Ok, Oui, tu fais je suis quoi? toujours Tu fais quoi là. dans Ça la fait vie, partie Alphonse? de la Je t'entends très mal. Allô? guideline. Ouais, tu fais quoi dans la vie, Alphonse? Je suis en agent d'accueil à l'UT de Metz. D'accord, ça marche. Est-ce que c'est ok pour toi la distance ou pas? Ouais, pas de problème. Ben, je préférais quelqu'un du coin, mais la distance ne me gêne absolument pas. Ok, très bien. S'il y a quelqu'un qui veut te contacter, du coup, comment on peut te contacter? Plutôt par Insta, Discord Alors, c'est sur mon Discord, ça c'est Nostromo Oasis, c'est NOS Ouais. IRO Oui. MOASIS. MOASIS. Nostromoisis. Ok, Donc, super. Bah écoute, il y a une merci. Hein? mention sur Discord. Pardon, j'ai J'ai pas fait une entendu. petite mention sur Discord. Tu peux répéter, j'ai pas entendu. Je disais que j'avais fait une petite présentation pour le Discord. Ah, ok, ça marche, super. Bon bah écoute, merci, merci d'avoir participé, mon Alphonse, et puis bah tu nous tiendras au jus. Pas de soucis. Passe une bonne journée, Alphonse. Ciao. Ciao. Alors, je suis désolée, j'ai pas posé les petites questions passion et tout, parce qu'en fait, on l'entendait tellement mal, ça faisait super mal aux oreilles, et j'étais pas en train de passer un bon moment. Du coup, désolée, Alphonse, on ne saura pas quelles sont tes passions, mais c'était trop compliqué. Trop compliqué. Trop compliqué. Mopinou, pourquoi être revenu en France? Vu la qualité, il nous appelle depuis le Nostromo, c'est sûr. C'est quoi le Nostromo? Je suis. I'm lost. On a vu ça dans tes yeux. Ouais, mais tu sais, je suis sensible des oreilles. J'ai un petit cœur sensible, moi, vous savez. Alors, on retourne sur le Discord et je vais voir si j'ai des petites. Oui, j'ai des propositions. Envoyez-moi un petit cœur hein, si vous voulez participer par message privé sur Discord. Comme ça, je vous appelle. On appelle, je pense, un Alphonse, du coup. Je pense que c'est un Alphonse. On attend qu'il décroche. Est-ce que vous êtes ready? Allô? Bonjour Alphonse, comment ça va? Salut, ça va et toi, Nod? Ça va très bien, merci, je t'entends bien, ça fait du bien. Oui, c'est pas de sa faute, ça peut arriver. Ah bah bien sûr, il y a pas de. T'inquiète pas, je ne suis pas dans le jugement. Quel âge as-tu, Alphonse? J'ai 30 ans. 30 ans, tu habites. Tu es donc un homme? Oui, je suis un homme, effectivement, oui. Tu habites dans quel coin? J'habite dans le nord de la France. Tu peux nous dire un peu plus précisément? On va dire à 10 minutes de Lille. Ok, très bien. T'es plutôt un bisounours ou plutôt un indépendant? Plutôt un bisounours, ouais. Plutôt un bisounours, ok. Tu recherches un homme, une femme, les deux? Une femme. Une femme, entre quel âge et quel âge? Autour de la trentaine, donc 50 moins, 50 plus, Ouais, c'est pas trop 25-35. mal. C'est ça Classique. exactement, ouais. Ok, pour du sérieux, pour s'amuser? Non, uniquement du sérieux. Uniquement du sérieux, on adore. Oui. Super, t'es célibataire depuis combien de temps, mon Alphonse? Je suis célibataire depuis février. Ok, et pourquoi ta relation s'est terminée? En fait, c'était une relation. En gros, elle était à 1 heure de chez moi à peu près. Ça a duré presque un an. Et je sais pas, du jour au lendemain, elle m'a un petit peu envoyé un message comme quoi elle ressentait plus de manque, plus rien, etc. Donc ça s'est un peu terminé là-dessus, quoi. Ok, d'accord. Et toi, t'étais encore amoureux? Genre, tu l'as appris comment? Ah bah sur le coup oui, sur le coup ça a pas fait du bien, voilà, puis après au fur et à mesure du temps, le temps s'est retent comme on dit, on se remet tranquillement et puis là du coup on est entre guillemets, ça fait un peu beauf je trouve, mais j'ai pas trouvé de meilleure expression, mais on s'est remis d'aplomb quoi.
Bon, ça fait pas beauf de dire on s'est remis d'aplomb. Non, non, mais ouais, non, si, on s'est remis d'aplomb en mode, voilà, je suis prêt à... Non, mais voilà, Ok. t'as compris, quoi. T'es dispo émotionnellement parlant. T'as plus ton Oui, ex en c'est ça, tête. exactement. Oui, non, non, j'ai fait le deuil de cette relation, j'ai cicatrisé et je suis... Donc, Alors, je je pense peux. que voilà, à ce moment-là, si je viens de voir ou si je fais cette démarche-là, c'est pas juste dans le vent pour un pansement ou quoi que ce soit. Je peux donc te poser la question qui tue. Si ton ex t'envoie un Ouais. message en mode bon, bah finalement tu me manques, nanana, tu lui réponds quoi? Je vais être honnête, je vais lui répondre, mais pas dans le sens oui, pas de souci, machin. Non, non, je vais juste lui dire, écoute, t'as mis les hauts là, t'as perdu, ça sert plus à rien d'avancer, quoi. Ok, ça marche, très bien. Donc t'as plus du tout envie de retourner avec cette fille. Bah non, puisque je me dis que si ça s'est passé un jour comme ça, qui dit que, admettons, je recraque et dans 3-4 mois, ça va recommencer, etc. C'est que c'est quelqu'un de pas stable ou alors qu'il ne sait pas ce qu'il veut, donc ça sert à rien. Ok, super. Donc t'as bien compris la leçon. C'est une très bonne Bien nouvelle. sûr, c'est ça, ouais. Ok, génial. Tu fais quoi dans la vie, Alphonse? Moi, je suis chef de rayon dans un magasin de bricolage au rayon peinture. Alors, ça veut dire quoi, chef de rayon? Bah en gros, c'est un peu classifié. Donc, quand vous rentrez dans une entreprise comme ça, bon, je vais pas cacher l'enseigne, c'est Leroy Merlin. Donc, ça marche pareil chez Castorama, des choses comme ça. Donc, quand vous rentrez en tant que vendeur, bon, sauf les contrats étudiants, etc. Mais voilà, vous avez compris. Donc, vendeur. Ensuite, il y a vendeur expert. Donc, en gros, vous êtes spécialisé sur certains produits, vous avez des formations et vous avez forcément une meilleure paye. Ensuite, vous êtes chef de rayon. Donc, chef de rayon, en gros. Vous pouvez gérer quelques recrutements, vous gérez également du coup le restockage dans la globalité. Ok. Voilà, faut savoir quel produit manque et compagnie. Donc il y a du temps en magasin avec tout le voilà comme un vendeur, mais il y a également du temps en bureau pour de la commande, pour gérer les stocks et compagnie quoi. Ok, ça marche. Et t'es chef de rayon dans quel rayon? Ah oui, t'as du peinture. Peinture, c'est ça Parce exactement. que je connais très bien Leroy Merlin, j'ai passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps en tant que cliente, c'est ça? Oui. Beaucoup d'argent, Ah, beaucoup, beaucoup trop. c'est vrai que quand on aime la déco, les trucs comme ça, en général, on aime bien se perdre là-dedans. Ouais. Ah non, c'était même pas pour la déco, moi, c'était pour les travaux, Ah le ouais? truc chiant. C'était Ah même pas le truc oui, sympa, non, vraiment. je peux comprendre qu'effectivement, tout ce qui est gros œuvre, comme travaux, etc., pour Ouais. remettre d'aplomb, ouais, Non, mais pour te dire, c'est trop notable. je me suis tâtée à inviter les personnes, justement, alors je sais pas si c'était les chefs de rayon ou juste des personnes en dessous du chef de rayon, mais Ouais, les je me suis conseillers, les trucs tâtée, comme ça, ouais. voilà, je me suis tâtée à les inviter à ma crémaillère pour te dire si je les connaissais bien, quoi. Non, mais pour de Tellement tu vrai. les avais vus, etc. Je Ouais, il y en comprends. avait même une qui regardait mes vidéos, du coup, à chaque fois, on se disait, ah, enfin bref, j'arrête de raconter ma Ah, vie. mais il n'y a pas de mal. Est-ce que t'es OK pour. Alors, rappelle-nous, t'es dans quel coin? Dans le nord, t'as dit, près de Lille. Nord de la France, c'est ça, ouais. Si, est-ce que la distance, c'est OK pour toi ou est-ce que c'est un peu rédhibitoire, du coup, vu ta dernière histoire, un Bah, peu? j'ai entendu. Bah après, moi, la distance, c'est pas rédhibitoire. Après, effectivement, voilà, 2 heures, comme l'a dit une Gertrude tout à l'heure, 2 heures de route, c'est déjà pas mal. Ouais, ok, donc 2 heures max de Lille. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, forcément, si c'est pour se voir une fois tous les 3-4 week-ends, c'est compliqué. Après, ça voilà. Ouais, c'est clair. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a des questions des viewers? J'en vois pas, mais attends, je regarde, hein. Non, je n'ai pas de questions des viewers, mais si vous en avez, les gars et les meufs, envoyés, dis-le si tu as des prix sur le magasin, ça peut être un bon argument. Non, ce n'est pas un argument. Oui, effectivement, j'ai des prix, et bon, après, voilà, c'est pas forcément dans le but de régaler, quoi. Exactement. Si quelqu'un est intéressé par ton profil, mon Alphonse, comment cette meuf d'ailleurs, puisque tu recherches une femme, peut te contacter? Bah sur Discord, et du coup, c'est N comme Noémie ou comme Nat, du coup, Ouais. et c'est 4 CRO. 4CRO. C'est ça. Ok. On me demande si Lille Belgique, ça se fait. Alors, je sais pas, il doit y avoir quelqu'un en Belgique qui s'intéresse à toi, parce qu'on me demande si la Belgique, c'est trop loin pour toi. Je pense qu'il parle par rapport à la dernière Gertrude, il me semble. Mais Artemis. oui, c'est Mons, c'est quoi? C'est à 1 heure, 1 heure et quart maximum. Donc oui, c'est faisable. Hé, envoyez-vous un message, les gars, hein. Artemis, si tu Ouais, nous entends, pourquoi pas. est-ce que t'aimais bien Artemis? Oui, bah, y a pas de entre cas de quoi que.
de red flag, de choses comme ça. Après, effectivement, il me semble qu'elle avait dit maximum 28 ou un truc comme ça, non? Donc je pense que 30 ans, c'est peut-être trop vieux pour elle. Ah, peut-être que t'es un peu trop vieux pour elle. Artemis, qui est dans le chat, dis-nous, est-ce qu'il est trop vieux pour toi ou pas? Parce que avec un peu de peau, c'est l'amour de ta vie, on sait pas, hein. Tu sais, parfois dans la vie, il y a des choses qui se passent. Artemis, on attend ta réponse. Je te fous la pression. Là, c'est vrai que c'est le flingue sur la tempe, là. Mais non, elle a 27 ans, Artemis. Ah bah je sais pas, il me semblait que j'avais... Ah oui, c'est Raymax 33, ouais bah écoute... Ah bah oui, attendez, mais il faut que vous vous envoyiez un message là, hein. Ouais, bah pourquoi pas, j'enverrai ça dans... Ah ça. Mais quel gentleman. Tu vas faire le premier pas une fois de plus, bravo. Est-ce que tu t'engages à envoyer un message à Artemis? Moi j'y crois, à ce couple. Oui, je m'engage. Merveilleux, vous m'inviterez à votre mariage. Bien sûr, ici. On verra d'ici là, effectivement. Bon, évidemment, Alphonse n'est pas réservé à Artemis, donc n'hésitez pas à lui envoyer un message, mesdames, mesdemoiselles, si vous ça, êtes intéressées. De quoi? Dans le chat, ça a mis potasse la mythologie, ça va. Grave. Est-ce que tu aimes la mythologie? C'est une spéciale question pour Artemis. Hein? De quoi, pardon, j'ai est-ce, pas. Est-ce que tu aimes la mythologie? Spéciale question pour Artemis. Bah, en vrai, tout ce qui est les dieux, les choses comme ça, effectivement, en fait, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc il y a pas mal de sujets. Après, de là être passionné, ça serait mentir puis dire oui, je suis un grand passionné, quoi. Oui, d'accord. Mais que... voilà, ça me dérange pas d'en parler, de me renseigner, la curiosité, des choses comme ça. Super. Voilà, parce que Artemis, elle a envoyé un petit important. Coucou. Hein. Elle a signalé son intérêt. Oui. Non, mais écoute, c'est important. Si ça se trouve, c'est la femme de ta vie. Je veux pas vous foutre la pression, mais on verra. On verra. Donc, cool. Bon, bah, merci d'avoir participé, Alphonse. Merci à toi. Et vous nous tiendrez au courant pour cette idylle merveilleuse qui démarre par écran interposé. Bien sûr. Écoute, merci Alphonse. À toi. Ciao. Bisous à tout le monde et puis bon courage. Non, mais j'adore. Et les gars, on a créé un couple là. On a créé un couple, c'est merveilleux. Artemis et Nacro. Bam. Enfin, Nacro, j'imagine que c'est un A, le 4. Donc, bam, bam, tic, bam, bam. Tu me trouves une femme, je m'engage à appeler ma future fille Nadia. Est utile, futile. Mais participez au speed dating. C'est comme ça qu'on fait. De toute façon, si vous voulez rencontrer des gens, il faut sortir sa zone de confort, mes enfants. Sortir de chez soi. Si on sort pas de chez soi, on rencontre pas des gens. Voilà, là, je vous demande même pas de sortir de chez vous. Je vous demande de m'envoyer un cœur sur Discord. Regardez, après, je fais tout. Je vous appelle, je vous pose des questions, je vous fais la conversation. Y a rien à faire. Ce serait fou. On veut savoir dans les jours prochains. Non, mais grave, on veut trop savoir. Moi, j'y crois, hein. Artemis Nacro, là. Je sens il se passe un truc. Askip, il y a eu un raid? Non, pas du tout. Non, on a pas eu de raid, mes enfants. Ils sont obligés, c'est pour remplir le quota. De quoi tu dis? Ah, le quota de couple, non. Ils sont évidemment pas obligés. On veut pas trop vous foutre la pression, mais moi j'y crois. Vu la moyenne d'âge, je suis trop vieux pour ces conneries. T'as quel âge, Gilles Lacune? Bah non, c'est pas vrai, hein, parce que regarde, on a des trentenaires. Le plus vieux qu'on a eu, je crois, en speed dating, il avait 37. Ça va, hein? Franchement, pas sûr d'être le mieux pour un speed dating en ce moment. Ah bah comme tu veux. T'as déjà fait des couples? Ah oui, plein. Il y a même des bébés utiles, futiles, pour de vrai. Il y a eu des mamies récemment. Mamie, c'est à partir de 30 ans, mais je le dis avec amour. Je suis moi-même une mamie. 38, je suis dans les plus vieux. Eh ben, on s'en fout. De toute façon, l'amour n'a pas d'âge, alright? Alors, je regarde sur Discord si quelqu'un m'a envoyé un petit cœur pour participer au speed dating. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous m'envoyez un petit cœur par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. C'est pas utile, futile. C'est Nad Richard. Et vous m'envoyez un petit cœur, et comme ça, eh ben, je vous appelle et je vous trouve le love. Que tu sois un homme, une femme ou quoi que ce soit. Je me permets, si tu souhaites parler d'autisme et d'amour, je peux t'orienter vers des chaînes qui en parlent, vu que ça concerne de plus... Ok, merci, cher Alphonse. Tête. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit cœur et qui n'a pas assumé. Eh ben, je vais l'appeler quand même. Hop, j'appelle quand même cette personne. Parce qu'il y a des gens, ils m'envoient des cœurs et après, ils n'assument pas et ils retirent leur message. Sauf que je vois les gens qui ont essayé de m'appeler. Allô? Ah, cette personne est en train d'écrire. Peut-être que cette personne est en cours ou je ne sais pas. Ah, bon, mais allez, j'ai personne là. J'ai personne à appeler, mes enfants. Ah, allez! Allez, viens! Allô? 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 Je n'entends pas. Je n'entends rien. Je n'entends personne. Est-ce que ça bug? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Alphonse. C'est tu es bon. Là? Salut. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien, ouais. Eh ben, c'est merveilleux. Quel âge as-tu, Alphonse? J'ai 27 ans dans 6 jours. Dans 6 jours, ok. T'habites dans quel coin? J'habite dans le sud de la France, à Nice. À Nice, ah, merveilleux. T'es plutôt un bisounours ou un indépendant?
Ouais, bah, ouais, plus un bisounours, je dirais, en vrai. C'est un peu Plus un compliqué à bisounours. répondre à la question, mais ouais. Ok. Tu cherches un homme, une femme, les deux? Une femme. Une femme, ok. On me dit que tu as une belle voix, Alphonse. Entre Ah, quel âge et quel merci, c'est âge? gentil. Pas, ouais, 30 ans maximum, et après, ouais, 25 minimum, je dirais. 30 ans maximum, après c'est des mamies. Ouais. Non. Et c'est juste qu'en... Enfin, non, ouais, après, ça, peu importe le feeling, je pense que vraiment, je ne pourrais pas au-dessus de 35. Non mais Mais je t'embête, t'as le droit de sinon... dire 30 max, hein. Si tu veux 30 max, c'est 30 max. Non, mais c'est par rapport surtout au par rapport surtout au feeling. Au feeling. Après, en vrai, D'accord. hein, c'est Ça dur va. parce que si à 35, ça commence un peu à être un peu trop sérieux, c'est dur, quoi. Ok, ça marche. Du coup, tu cherches plutôt du sérieux ou à t'amuser? Ben, du sérieux serait l'idéal. Après, vu que j'ai quand même d'extrêmes problèmes de confiance, j'avoue que m'amuser un peu, ça me dérangerait pas non plus, quoi. D'accord, très bien. T'es célibataire depuis combien de temps, Alphonse? Depuis ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Ok, et pourquoi ta dernière relation s'est terminée? Ben, en fait, c'était ma toute première relation. Ma toute première relation que j'ai eue, ben, du coup, vers les 25 ans. C'était la première fois que je tombe amoureux, tout ça. Et c'était une relation à distance. En fait, j'ai rencontré en vacances en Italie. Et Ouais. à 3 heures de chez moi, hein, vu que j'habite à Nice. Pas Ok. très loin, l'Italie. Et après, ben, un peu pareil que un autre que tu as eu là tout à l'heure, ghosting. Comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, elle a arrêté de me parler, ça a arrêté de, on a arrêté de se voir. Et Après combien de voilà. temps de Pas relation? plus, j'ai pas plus d'informations, quoi. Après, tout pile un an. Ouais, tout pile un an, on avait fêté nous un an 2 3 jours avant, et après voilà, Non mais rien pourquoi du tout. les gens font ça? Tu sais, à la limite, bon, tu connais la personne depuis deux Ah ouais, mais semaines, c'est c'est pas cool. ça, je comprends pas ça. Oh, non mais Ça, parce après. que je peux comprendre que voilà, du jour au lendemain, bah, t'as plus de sentiments, mais faut juste le dire parce que ça blesse plus les gens qu'autre chose de faire Mais du ghosting, grave, c'est ce super genre de humiliant phrase. comme façon de faire. Surtout, encore une fois, surtout Bah après ouais. une vraie relation. Ça fait 2 semaines que tu connais la personne. Bon, ça fait chier, mais ok. Mais le après 1 an de relation, ah non, c'est pas possible. Ah, bah ouais, surtout que toi tu restes sans explication, sans savoir le pourquoi du comment. Et Oh là pourtant, ouais, là. enfin, comme j'avais vraiment d'extrêmes problèmes de confiance, je voulais surtout pas me mettre en couple. Et cette fille-là, ben, je me suis dit, elle vaut la peine. Et au final, voilà, quoi. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est Alors, il y a compliqué. quelqu'un qui dit le ghosting et les femmes, tu vas te calmer sur les femmes, noix de coco, parce que tu vas gérer tes directs. Hein. Le ghosting, c'est chez tout le monde. Donc, Ah. vraiment, hein, une autre phrase de ce genre-là, Ah ouais, tu non, gères. ouais. Hein. Voilà. C'est le C'est ghosting, clairement tout t'inquiète le pas. Il y a monde, des hommes ça. qui ghostent aussi, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, arrêtez d'associer un comportement avec un genre, ça n'a absolument rien à voir. Pardon, excuse-moi, Alphonse, j'avais besoin de Bon, recadrer je les suis choses. tranquille, hein. Normal, normal, c'est normal. Du coup, donc, ok, t'es célibataire depuis 2 ans, on sait pourquoi ta relation s'est terminée. Donc, t'es passé à autre chose quand même par rapport à cette histoire ou t'es encore un peu sonné? Bah, je t'ai dit, j'ai des problèmes de confiance depuis limite tout petit, donc ça m'a quand même sonné, mais après, elle, je suis largement passé à autre chose, hein, vis-à-vis de elle, quoi. J'y pense plus à elle, enfin. Donc là, t'as envie de te relancer dans une nouvelle relation, t'es open là-dessus. Bah, ouais, j'aimerais bien quand même juste me redécouvrir un peu, quoi. Ok. Essayer de ressortir un peu de tout ça, quoi. Ok, ça marche. Tu fais quoi dans la vie, Alphonse? Alors là, actuellement, je suis en rupture conventionnelle avec mon patron, Ok. mais sinon, je suis en ambulancier, en urgence, Ambulancier. enfin, la nuit. Je travaille la nuit. Ok. S'il y a des questions dans les viewers, n'hésitez pas. La distance, du coup, c'est ok pour toi ou t'as compris, c'est bon, ça t'a saoulé? Ouais, non, je pense que j'ai compris. Ouais, Après, donc. voilà, la distance, ça dépend. Hein. Si c'est 1 2 heures, à la limite, ça va. Hein. Mais D'accord, 2 heures sinon, si c'est max. trop loin, ouais, voilà. 2 heures max. Ok, de Nice, hein, je rappelle. Écoute, Ouais, c'est ça. je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Si quelqu'un est intéressé, comment on peut je vais y arriver. Comment on peut te joindre, mon Alphonse? Bah, en vrai, sur Discord, j'ai un Insta, mais ouais, au pire, Ce sur que tu Insta, préfères. attends. Qu'est-ce que tu L'envoyer sur mon préfères? Insta, c'est normal. Comment? Ce que tu préfères, Discord ou Insta? Alors, ça, normalement, c'est mon Insta. Parce que Ok. je t'ai envoyé sur Discord. Alors, tu peux me Et les plaît, ben, s'il mon te plaît, ce Discord, sera c'est plus exactement facile. le même. Tu peux me les plaît, s'il te plaît? Alors, L-I-P-T-O-N-S-T-A. L-I. P-T. Ouais. I-N-H-O. I-N-H-O. Liptonino.
Ouais, c'est ça, ouais. Alright, alors hop, je le pine, comme ça celles et ceux, celles plutôt, qui veulent contacter Alphonse, et ben vous y allez, les meufs. Donc on a dit 2 heures max de Nice, et voilà, super. Merci d'avoir Ouais, à participé, la future. cher Alphonse. Bah écoute, y a pas de souci, hein, merci à toi. Et ben, je te dis à très bientôt, tu nous tiendras au jus s'il y a quelqu'un qui te contacte. Vas-y, ça marche, y a pas de souci. Ciao, ciao, passe une bonne journée. Ciao, ciao. Il avait l'air d'avoir une bonne vibe, cet Alphonse. Moi, je trouve très, très cool. Oui, je suis mature. Oui, il y a quelqu'un qui me dit. Il y a 9 pubs. J'avoue, je trouve que 9 pubs, c'est beaucoup trop. En fait, alors, pour les histoires des pubs, ça fait beaucoup de fois qu'on me le dit. Donc, il va falloir quand même que je les réduise. J'ai mis le truc automatique de Twitch, en fait. Donc, oui, je suis d'accord. 9 pubs, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Maintenant, merci de les avoir regardés pour le coup. Et si t'aimes pas les pubs, tu peux te sub aussi pour soutenir le projet. Mais je suis vraiment d'accord. 9 pubs, c'est vraiment trop. Je savais pas qu'il y en avait autant. Et je vous dis, j'ai mis le truc automatique. Donc, je vais faire en sorte qu'il y en ait moins. Parce que, oui, en fait, c'est Twitch qui décide. Donc, c'est pas moi qui ai décidé. Enfin, 9 pubs, jamais deux, j'aurais mis. Moi, je dis 2 ou 3 grand max. Et déjà, 3, c'est relou, tu vois. Donc, mais bon, c'est pour me soutenir aussi. Donc, merci, merci à celles et ceux qui les regardent. Franchement, vous êtes des cœurs. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vous donne le concept dans le mille. On est en speed dating. Merci pour le sub, noix de coco. Merci d'avoir offert un sub à Chris Prolls, du coup. Donc, je disais, pour celles et ceux qui veulent participer au speed dating, vous m'envoyez un petit message, un petit cœur, tout simplement, sur mon Discord. Mon Discord, c'est pas utile futile, c'est Nad Richard avec 2 H. Un petit cœur par message privé et je vous appelle et c'est moi qui pose les questions. Vous avez juste à répondre et après le love vient à vous. Donc, n'hésitez pas. Pas. Ils baissent les prix des subs, donc plus de pubs. Ah, ils ont baissé les prix des subs! Ah, bah tu vois, je savais pas. Moi, comme ça fait pas longtemps que je suis sur Twitch, je ne sais pas ces détails-là. Alors, je vais pour la phrase de tout à l'heure, c'était de l'humour. Ouais, mais c'est pas drôle en fait. Si tu veux faire de l'humour, fais de l'humour sur des trucs drôles, parce que de l'humour sur des trucs qui sont trop vrais pour d'autres gens, ça me fait pas marrer. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je peux te dire que là-dessus, on rigole pas avec moi. Voilà, donc attention à toi. Je regarde si j'ai un petit cœur. Mais oui! Un autre Alphonse qui m'a envoyé un petit cœur. Je l'appelle. Allô? Attention, on démarre un appel vocal avec Alphonse pour le speed dating. Allô Alphonse, est-ce que t'es là? On attend qu'il décroche. C'est avant que tu démarres sur Twitch le prix des subs. Ah, ok, ça marche. Allô Alphonse? Allô? Allô? Bonjour Alphonse, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Quel âge as-tu, cher Alphonse? J'ai 33 ans. Tu as 33 ans, tu habites dans quel coin? J'habite dans le nord, à côté de Douai. À côté de Douai, d'accord, bah c'est marrant, mon mec a fait ses Ouais. études à Douai. Très bien, donc près de Douai, t'es plutôt un bisounours ou un indépendant? Non, plutôt indépendant, plutôt indépendant. D'accord, Travail, maison, voilà. t'es pas très bisou câlin. Ah si, ah si, dans le sens là, si, 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 je suis très câlin, c'est pour ça d'ailleurs que mon ex m'a quitté. Elle m'a Mais trouvé non! peut-être un peu trop câlin. Ah oui, d'accord. Bon, alors tu tombes au bon endroit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bisounours qui regardent mes vidéos. Donc, avec un peu de peau, tu trouves l'amour par ici. Tu recherches un homme, une femme, les deux? Une femme. Une femme. Oh, la blague, Une putain. T'habites à Douai, c'est quelqu'un de doué. Yes, j'adore. Tu cherches une femme entre quel âge et quel âge? entre 32 et... Enfin, je dirais, ouais, 32 et 40, quoi. 32-40, d'accord. Donc plutôt plus âgé que toi que plus jeune. Ouais. Voilà, c'est ça. Très bien. Tu cherches du sérieux ou plutôt à t'amuser? Ah non, non, du sérieux, moi je cherche une vraie histoire d'amour pour le coup. Je suis pas du tout pour les plans et pour m'amuser, quoi. Super, génial, on adore. T'es célibataire depuis combien de temps, Alphonse? Alors ça va faire un an là que je suis célibataire. D'accord. Et donc, alors, normalement, je te demande pourquoi ta dernière relation s'est terminée. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus en détail, du coup, ce qui s'est passé? Elle m'a trompé tout simplement. Elle a été voir un de mes amis à moi tout simplement parce qu'elle voulait être totalement soumise à quelqu'un alors que c'est pas du tout ma façon d'être. Moi je suis plutôt quelqu'un de très câlin, très tactile et tout ça et voilà. Un ami, du coup, c'était un ex-ami, j'imagine. Oui, maintenant c'est un ex-ami, oui, pour le coup, oui. Mais voilà, ouais, c'est quelqu'un qui était dans mon entourage et voilà, tout simplement, Et alors, elle est tombée attends. sous son charme tout simplement. Mais comment ça, elle voulait être soumise, genre elle voulait aller faire du BDSM avec ton pote, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Wow, alright. En fait, c'était dans son délire, elle me l'a caché et voilà, tout simplement. Moi, je suis pas du tout dans cette vibe-là et je suis quelqu'un de très attentionné, très à l'écoute. De toute façon, je fais un métier où je dois être dans l'écoute et très à l'écoute des gens, donc voilà, C'est quoi ton c'est métier? important pour moi de. Enfin, moi, je suis surveillant dans un lycée à mi-temps et d'un autre mi-temps, je travaille dans les écoles où
je travaille dans les écoles maternelles, en fait, simplement, je fais la cantine et tout ça, donc d'accord. forcément l'écoute, à l'écoute des enfants et tout ça. Ok, ça marche. Et du coup, pardon, mais comment tu t'en es rendu compte qu'elle te trompait avec ton pote? Bah, en fait, je suis rentré du boulot un peu plus tôt et ils étaient là, quoi, tout simplement, et voilà. Ah ouais, la scène de film, quoi! Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Oh non, mais attends, excuse-moi, tu peux me dire comment tu peux nous raconter comment t'as réagi? Enfin, parce que tu vois ça, mais c'est pas possible. Je suis parti tout simplement pour réagir, je suis parti. Ah, t'es juste parti? J'ai pas voulu. Ouais, non, j'ai pas. Je suis parti, histoire de me calmer un peu, puis après, j'ai pris mes affaires, je suis parti. C'était pas ton appart? Non, je vivais chez elle, en fait. On avait décidé de vivre ensemble, et puis, voilà. Simplement. Oh. Wow, mon dieu, ok, donc grosse histoire. Donc, ouais, j'imagine que t'es bien passé à autre chose depuis. Carrément. Ok, j'essaie de rappeler Alphonse qui ne décroche plus malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. On va voir si Alphonse redécroche. Allô, Alphonse? Rejet bug. Allô, Alphonse? Allô, Alphonse. Allô. Oui, excuse-moi, j'ai bugué, c'est les problèmes d'internet, trop relou. Tu m'entends bien? Ouais, nickel. Eh ben super. Alors donc, mince, pardon. Du coup, excuse-moi, on était en train de se dire, oui, je te demandais si la distance était ok pour toi, je rappelle que tu habites à Douai, et donc tu disais 2-3 heures max. Ouais, c'est ça. Ok, super. Très bien. Alors attends, j'ai un problème, mon dieu, c'est trop relou, donne-moi une seconde. Hop, parce que le chat ne se montre pas. Bon, alors, pardon. Quelqu'un qui serait intéressé par ton profil, comment cette personne peut te contacter? Alors, sur mon Instagram. Sur ton Instagram, ok. Alors, ouais. Je t'écoute. Alors, c'est Jérôme ouais. H 59, ouais, 59 456, tout simplement. 4, 5, 6. All right. Jérôme, H59, 4, 5, 6. Je vais essayer de piner sans grande conviction puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. Bah écoute, merci beaucoup, mon Alphonse. Et puis, tu nous tiendras au jus s'il y a quelqu'un qui t'appelle. Enfin, qui t'envoie un message ou quoi que ce soit. Pas de soucis. Super. Passe une bonne journée, Alphonse. À bientôt. Et désolé pour le bug. Merci, bonne journée. Ciao. Pas de soucis. Bon, alors là, les gars, je suis pas contente du tout. Hop. Je suis pas contente du tout parce que je n'ai plus mon chat sur le live, et c'est très relou, c'est tout à fait relou, hop, c'est vraiment relou, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça me gonfle. Ah, ça y est, relance ton stream, mais non, mais je viens de le relancer, chère noix de coco. Moi je me suis maquée, sinon je l'aurais fait, le speed dating, mais oui, en plus il était trop bien Alphonse, je suis désolée pour lui que ça ait bugué en plein date pour lui là, mon Insta est pas passé du coup, et non, ton Insta est pas passé, attends, je te le remets. Insta, hop là. Et voilà, on a l'Insta de notre cher Alphonse, Jérôme du coup. Bonjour Nad et la team, passage rapide sur le live, mais bonjour, on est en plein speed dating. On a eu 2-3 petits bugs, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent, et puis bah, on s'en accommode, en fait, il n'y a pas le choix. En vrai, c'est juste une con avec Nad qui est en douceur. De quoi tu parles? Oui, le fait que je vous appelle, mais oui, c'est ça. En plus, c'est moi qui pose, en tout cas, top ce live, merci. Jérôme, tu peux follow, comme ça, tu auras une petite notification pour les prochains lives. Bah, je pourrais, Nad, mais je pense être dispo émotionnellement. Le souci, c'est... Ah, tu penses être ou tu penses pas être dispo, Guillaume, parce que c'est pas la même chose. Tu captes toujours pas, bah écoute, si, oui, je pense que t'es la seule, parce que j'ai l'impression que là, il y a d'autres gens qui captent, donc j'ai le sentiment que ça vienne de toi. Passe. Alors, je regarde sur Discord s'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit message. Personne ne m'a envoyé de message. Désolée, je me suis trompée sur mon Insta. C'était Didi.Sagnal en fait. Ah mince. Alors, l'Alphonse de juste avant, il s'est trompé pour son Insta. Et son Insta, c'est ça. Je vous le mets là. Hop là. C'était l'Alphonse juste avant. Je vous le mets dans le c'est Didi.Sagnal, mais si je le pine, ça va pas s'écrire. Mais voilà, comme ça vous l'aurez. C'était pas Liptonino, c'est Didi.Sagnal. Il faut le faire pour se tromper à ce point de blase sur Insta. Écoutez, comme ça au moins, j'étais stressée, mais elle m'est full à l'aise. Mais merci Artemis. Franchement, j'avoue, en toute modestie, je pense être assez forte pour mettre les gens à l'aise. Ça t'engage en rien, frérot.
Parle un peu, ça va te faire du bien. Mais j'avoue, Guillaume, allez, Guillaume, 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 envoie-moi un petit cœur par message privé. Vous savez quoi? Mamie, ah, mais attendez, j'ai d'autres personnes. Mon Insta, qui me l'a noté. Nad, tu vois pas mes messages, pourquoi? Salut Nad, je suis dispo pour un speed dating, si tu as de la place, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr, j'avais vu ton message, mais comme tu disais que tu étais au taf. Allô, Alphonse? Alors attendez, on attend qu'Alphonse. En attendant, les autres, vous m'envoyez un petit cœur par message privé pour pouvoir participer au par message privé sur Discord, Nad Richard. Allô, Alphonse? Allô? Allô? Attends. Oui, j'entends. Attends, donc je t'entends. Allô? Ah oui, il est sur son balcon. Ah oui, il est au travail. Oui, parce qu'il y a des gens, c'est des oufs. Genre, ils font le speed dating pendant qu'ils sont au travail. Très bien, très bien, très bien. Top l'expérience, faut pas hésiter. Mais grave, Alphonse, est-ce que tu m'entends? Oui, allô, c'est mieux, ça Bonjour Alphonse, comment ça va? va être honnête. Ça va très bien. Alors comme ça, tu gruges le boulot pour faire du speed dating? Ouais, un peu. On adore. Là, en plus, quasiment tout le temps dans la semaine, je suis en télétravail chez moi, mais le mardi, c'est le seul jour où je viens sur place. Ah, trop dommage. Ah oui, et puis c'est pile le jour du speed dating, donc tu n'as pas d'autre choix. Et ouais. Ok. Alors quel âge as-tu, Alphonse? J'ai 30 ans. T'as 30 ans, tu es donc un homme, t'habites dans quel coin? Dans le Val-d'Oise, au nord-ouest de Paris, à 30 km. Ok, c'est quoi le gros bled près de chez toi? Cergy. Cergy, ok. T'es plutôt un bisounours ou plutôt un indépendant? Plutôt bisounours, je pense. Ok, tu recherches un homme, une femme, les deux? Femme. Une femme, entre quel âge et quel âge? Je sais pas, 25-32, je pense, pour être un peu autour de mon âge. Ouais, ok. Et pour du sérieux, pour t'amuser? Non, plutôt sérieux. Plutôt sérieux, ça marche. T'es célibataire depuis combien de temps? 30 ans. Depuis 30 ans, t'as jamais été en couple? Ouais. Ok, ça marche. Pourquoi d'après toi? Pendant longtemps, je m'y suis pas vraiment intéressé. J'ai vécu ma vie comme ça et j'ai pas cherché. Je me suis dit, ça viendra et puis c'est pas spécialement venu. Ok. Voilà, je cherchais pas spécialement. Et ça fait que depuis peut-être 2 ans environ que je commence à me dire, voilà, je suis un peu seul, j'aimerais bien trouver quelqu'un et tout. Notamment parce que les amis autour de moi, ils commencent à tous être en couple, même certains à avoir des enfants et tout, et moi je suis un peu là. Ok, très bien. Et Je t'écoute. non, bah, c'est tout. Ok, super. Mais du coup, t'as jamais été en couple, mais t'as eu quelques histoires ou jamais rien? J'ai eu quelques attirances pour quelques personnes, mais il s'est jamais rien passé. Bon. Ok. Soit c'était trop tôt et j'avais pas été prêt, c'était quand j'avais 18 ans et c'était pas une époque où je cherchais spécialement du monde. Ou soit là, ces 2 dernières années, comme j'essaie un peu plus de chercher, bah, j'ai eu quelques petites poches et tout, mais c'est rien vraiment concrétisé parce que personnellement, c'était pas forcément intéressant. Ok, très bien. Tu fais quoi dans la vie, Alphonse? Je travaille dans l'informatique, Ouais. dans un groupe de télé pour moi. Un Mais groupe en de soi, je télécom? suis un peu consultant, donc je peux être placé dans divers secteurs, tant que c'est dans l'impôt, quoi. Ok, très bien. Alors, je regarde s'il y a des questions des viewers, mais je n'en vois pas. Est-ce que vous avez des questions pour Alphonse, mes enfants? N'hésitez pas à les poser. En attendant, du coup, mon Alphonse, il me reste à te demander si quelqu'un est intéressé par ton profil, comment on peut te joindre? Par Discord, Ouais. donc pseudo, MU, 2M, US. Mums, c'est ça? MU, 2M, IUS. Ah, I. Mumis, Mumius. Avec un U, voilà. Alright, alors je pine ça. Ça veut dire quoi? T'es dans une ESN. Il y a quelqu'un qui me dit t'es dans une ESN. Ça veut dire que je peux être. Soit je suis salarié d'une boîte qui a elle-même d'autres entreprises qui sont ses clients. Ouais. Et en fait, on me voit en mission chez eux. Donc en fait, je suis la boîte chez laquelle je travaille, la boîte de télévision pour le moment, c'est Ouais. pas elle qui me paye. J'ai été placé en mission chez elle, Ah, d'accord. par ma boîte à moi qui est celle qui me paye. Ok. On me demande quels sont tes hobbies. Alors, plusieurs. Jeux vidéo, déjà pas mal. Ouais.
surtout de la stratégie et tout. Et sinon, j'ai pas mal de centres d'intérêt aussi, qui sont plus l'histoire. Forcément, j'ai toujours une grande passion pour l'histoire. Okay. Et les sciences surtout. Mais attends, mais on a que des passionnés d'histoire ce matin-là. J'espère que tu as envoyé des messages, parce que tout à l'heure, on en a eu des passionnés d'histoire. Non, parce que comme je suis au taf, je peux pas trop. J'ai juste le fond sonore arrière-plan, mais je regarderai. T'as noté les profils quand même. T'as noté les profils quand même. Je réécouterai le replay quand tu le posteras. Ok, ça marche. Très important. Là, quand on tape, voilà. Parce que là, Artemis, elle rappelle qu'elle aime l'histoire, elle aussi. Hein. Ouais, j'ai entendu. ça marche. Mais je verrai plus tard. Ok, et ça oui, va. Sinon, de l'histoire, j'aime bien les sciences. Moi, en fait, là, je travaille dans l'informatique, comme je disais, mais à la base, j'ai une formation d'ingénieur chimiste. D'accord. Et je me suis réorienté à la fin de mes études, mais c'est toujours un domaine que j'aime beaucoup. Et il y a pas mal de... Voilà, je lis toujours pas mal des trucs, des choses là-dessus, ou je regarde des vidéos sur YouTube, sur les sciences et tout. Il y a pas mal de chaînes scientifiques comme ça. Ok, ok, ça marche. Je sais plus si je t'ai demandé la distance, c'est ok pour toi ou pas? Ça peut être, enfin, faut voir, ça peut être ok. Après, si c'est proche, c'est mieux. Mais bon, après, étant autour de Paris, de toute façon, il y a pas mal d'endroits qui sont facilement accessibles. Ouais. Donc, enfin, distance max pour toi. Bah, je dirais une trentaine de kilomètres autour de Paris, c'est bien. Après, si c'est une grande ville, facilement reliée à Paris, ça peut aller aussi. Ok, ça marche. Bah écoute, merci, merci d'avoir participé, mon Alphonse, et puis on croise les doigts pour toi. Merci bien. À bientôt. Travaille bien, du coup. Merci. Salut Alphonse, à bientôt. Ciao. On l'entendait pas très bien sur la fin. J'espère que vous avez toutes et tous bien entendu. Vous avez son Discord, c'est bon, jeune Pin. Hello, comment ça va? Juste pour te dire que tu ressembles à Muriel, la chanteuse de Niagara, à une trentaine d'années. Bon, live. Ok. Je ne sais pas. Alors, du coup, forcément, je vais aller voir qui est Muriel. Muriel Niagara. Si ça bug, c'est à cause de cette personne qui m'a dit ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, viteuf. Viteuf. Je vais les vrais travaillent en même temps que le live de Nad. Ok, t'as noté son Discord. Très bien. Eh, Guillaume Hidrag dans les commentaires. Bonjour Niniste, comment ça va? Écoutez, je regarde si j'ai des petits cœurs. Mais où? Oh là là, j'ai deux personnes. J'ai deux personnes qui m'envoient des petits cœurs. Alors, j'accepte. Moi, je prends dans l'ordre hein, dans lequel ça arrive. On appelle un Alphonse ou une Gertrude, je ne sais pas. On va voir comment ça se passe. Allô? J'attends que cette personne décroche. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais cette personne va bientôt décrocher et nous faire découvrir sa merveilleuse voix. Merveilleuse et douce voix, ça va très bien, merci. Mais cette personne ne répond pas. Allô? Ah, allô? Bonjour. Bonjour Alphonse, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, merci. Tu as effectivement une grosse voix. Merci. Non, mais on dirait que t'as... Attends, on dirait que t'as mis un vocodeur pour changer ta voix. Non, du tout, du tout. C'est ma vraie voix, j'ai une voix très grave. Oh. C'est une voix qui passe pas inaperçue dans mon travail, dans la vie de tous les jours. On fait souvent des remarques dessus. Non mais grave, il y a des gens qui disent que t'es Batman, c'est dingue. Mais c'est attention, c'est un compliment, hein. C'est une très belle voix. Hein. Au travail, j'ai des collègues qui m'appellent Barry. Qui t'appelle Barry? pour Barry White? Exactement. Ah, trop drôle, bah écoute, oui, tu as effectivement une très belle voix. Ok, super. Quel âge as-tu, Alphonse? Alors, j'ai 37 ans. Tu as 37 ans, tu es donc un homme. Exactement. Tu habites dans quel coin? Déduction. Déduction, j'habite, oui. J'habite dans le sud de la région lyonnaise. Dans le sud de la région lyonnaise, ok. T'es plutôt un bisounours ou un indépendant? Plutôt un bisounours, j'ai envie de dire. Plutôt un bisounours, ça marche. Tu cherches un homme, une femme, les deux? Une femme. Une femme. Entre quel âge et quel âge? J'ai pas de restriction au niveau de l'âge, c'est un bon niveau du filet. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Parce que malgré ta grosse voix, on t'entend pas très bien. Tu m'entends mieux là? Ouais, là je t'entends mieux. Donc tu disais. Là, je disais, j'ai pas trop de restrictions au niveau de l'âge, c'est plus au niveau du feeling. D'accord, ok. Donc une nana de 18 ans, ce serait ok pour toi? Non, 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 on va dire à pas plus de 10 ans inférieur. D'accord, donc ouais. En 27-47 ouais, ans voilà, quoi. Exactement. Alright. Exactement. Super. Tu cherches plutôt du sérieux, plutôt à t'amuser? Non, plutôt du sérieux. Plutôt du sérieux, très bien. T'es célibataire depuis combien de temps, Alphonse? Depuis 6 mois environ. Ok. Pourquoi ta dernière relation s'est terminée?
On n'avait pas le même mode de communication. Moi, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Et c'était une personne qui, quand ça allait pas très bien, avait tendance à se refermer et à couper tout mode de communication. Donc, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et pour moi, la communication, c'est vraiment le point névralgique, d'une relation. C'est Absolument. vraiment bloquant. Ok, d'accord. Donc c'est du coup c'est plutôt toi qui as mis fin à cette relation? Exactement, oui. Ok, ça marche. Et du coup t'es passé à autre chose depuis puisque ça fait que 6 mois. Totalement. Oui, totalement. Ok, super. Et alors tu fais quoi dans la vie, Alphonse? Dis-moi que tu travailles dans quelque chose avec ta voix parce que c'est obligé là. Eh ben non, eh Non! ben non, 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 je suis ingénieur dans les télécoms. Non, non, D'accord. on m'a souvent conseillé d'essayer de me réorienter dans tout ce qui est doublage. Ah ouais, mais quitte à le faire pour le plaisir, t'as une voix si extraordinaire. Merci. On m'a beaucoup conseillé, du coup, j'ai regardé. Et c'est vrai que pour passer les castings, il faut déjà avoir un bagage d'études, ou en tout cas de formation, Ouais. et je l'ai pas. Donc c'est vrai D'accord. que je regarde progressivement, Ok. voire pour me former, mais c'est quelque chose que j'ai très clairement en tête. Ok, ça marche. Du coup, si une jeune femme est intéressée par ton profil, mais qu'elle habite un petit peu loin de chez toi, c'est ok pour toi ou tu préfères éviter la distance? Non, non, je suis pas trop fermé sur la distance tant que ça reste accessible. D'accord. Je suis d'accord. D'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions pour notre Alphonse dans le chat? Je vous laisse poser vos questions. En attendant, est-ce que tu peux me donner un moyen de te joindre pour ces personnes, ces dames qui voudraient apprendre à te connaître? Par Discord. Ouais, alors, Discord d'Alphonse. Alors c'est Big Voice. BIGVOICE. Avec des majuscules ou pas? Alors, je vais dire ça. Moi, je le vois avec des majuscules, mais je sais pas si. Ouais, exactement, c'est ça. Big Voice. C'est pour ça que Attends, quand il a décroché, j'ai dit. Dis-moi, je t'écoute. je vais juste le vérifier, hop, comme ça je te le dis en direct. Oui. Tu vérifies quoi, du coup? Big Voice underscore, pardon, le nom du Discord. Ah! Alors attends, jeune pin, pardon, je refais. Big Voice underscore? Ouais, c'est ça. Pour celles et ceux qui savent pas, underscore, c'est le nom qu'on donne au tiré du 8. Voilà, tout le monde dit tiré du 8, en fait, ça s'appelle un underscore. Exactement. Ok. Underscore. Ok, ça marche. Alors, j'ai pas eu d'autres. Ah si. Non, non. Quelles sont tes passions? Alors, j'adore le cinéma et j'aime beaucoup aussi le sport, surtout la course à pied. La course à pied, ok. Il y a quelqu'un qui demande si tu peux dire je suis Batman, vite fait, c'est pour un copain. Je suis Batman. J'ai trop envie de le prendre, tu sais, d'en faire un son dans une soundbox avec ton Je suis Mais Batman. grave, tu me demandes et moi je te fais, y a pas de soucis. Ça marche, je Je t'enverrai un suis ton message. père. Je suis ton père. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne Utile Futile. Merci, merci pour cette matière. De rien. On me demande si tu fais de la musique. Non, du tout. Non, pas du tout de musique, ok. Je connais une voix, ok. Eh ben écoute. Est-ce que tu peux dire e-sport, it's in the game? EA Sports, it's in game. Non, mais j'avoue, t'es trop fort, faut que tu te fasses une bande démo. Franchement, Oui. t'es fait pour ça, quoi. Merci. On me demande si tu as des enfants. Oui, j'ai une fille. Ah, il faut préciser, ça, c'est très important. Elle a quel Oui, âge ta fille? effectivement, oui. À 8 ans. 8 ans, ok, ça marche. Et les rapports sont ok avec la maman? Très très bon, très très Ouais, bon. pas d'ambiguïté? Aucune. Super, bon bah écoute, merci, merci d'avoir participé et puis Avec grand j'espère que tu seras plaisir. contacté du coup. Ouais, qui sait, on verra bien. En Bah oui, et tout cas, fais merci. une bande démo pour le doublage, très important. Lance-toi là-dedans. Ça marche. Passe une bonne journée, Alphonse, à bientôt. Merci. Bonne Ciao. journée, au revoir. Oui, bon, son blaze Discord, c'est Big Voice, tu comprends pourquoi? Trop drôle. Pub, eh ben oui, je comprends. Merci de regarder la pub, ça soutient la chaîne. Et si vous en avez marre des pubs, vous pouvez absolument vous sub dire précédemment dans Secret Story. Non mais le pauvre, on n'allait pas lui demander de dire un million de trucs. Ce n'est pas possible. Bonjour. Ah oui, il aurait pu faire ici la voix. J'avoue. Tu devrais ajouter la question sur les passions automatiquement parce qu'elle revient tout le temps. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bah tu sais quoi, regarde, je le fais maintenant. Tu fais quoi dans la vie? Quelles sont tes passions? Hop là. Son.
tes passions. Hop là. Écoutez, moi je trouve que ce live se passe drôlement bien. Je regarde si quelqu'un m'a envoyé un petit cœur par message privé. Encore un Alphonse. Bah écoutez, j'ai encore un Alphonse. Est-ce qu'il n'y a pas une Gertrude qui peut m'envoyer un petit cœur comme ça on essaie d'équilibrer un peu parce qu'on a eu beaucoup d'Alphonse à la suite. Vous savez quoi les Gertrudes, je vais vous dire un truc. Je vais pisser parce que j'en peux plus. Voilà, en toute élégance. Et vous avez donc à peu près 45 secondes pour m'envoyer un petit cœur par message privé sur Discord à Nad Richard. Voilà, c'est pas ça mon Discord, c'est pas utile futile, c'est Nad Richard. Envoyez-moi un petit cœur par message privé, les Gertrudes, je vous appelle, mais là il faut absolument que j'aille faire pipi, j'arrive dans 2 secondes. Ça y est, ça va mieux. Alors, est-ce qu'on a des Gertrudes qui nous ont envoyé un petit cœur par message privé? J'ose espérer. Je vous dis ça tout de suite. Ah, je crois. Alors, j'ai un nouveau message. J'ai une seule personne qui m'a envoyé un message, mais c'est effectivement une Gertrude. Merveilleux. Merci à cette Gertrude de sortir de sa zone de confort. On téléphone à Gertrude. Par contre, je suis très déçue par les autres, là. Il y en a une seule, le temps que j'aille faire pipi, qui a envoyé un message. Enfin. Allô Gertrude, je suis en train d'essayer de t'appeler. Je ne sais pas si tu... Oula, Optique 2000 qui m'a... Oh, la pub par SMS, ça vous gaffe pas trop? Moi, je reçois grave des pubs par SMS. Faut avoir une vie bien remplie et avoir un boulot ou être sans rien ni personne, ça marche aussi. Bah, t'as le droit d'être sans rien ni personne. Venez comme vous êtes, hein. Tout va bien. Comment ça, on peut pas me MP Discord? Bien sûr qu'on peut me MP sur Discord. C'est vrai ou pas? Oui, j'ai sûr... Allô? Ah, pardon. Bonjour Gertrude, comment ça va? Ça va être bon. Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Eh ben, merveilleux. Alors, Gertrude, dis-moi, quel âge as-tu? J'ai 33 ans. Tu as 33 ans, très bien. T'habites dans quel coin? J'habite dans les Yvelines, à côté de Versailles. Oh, merveilleux, on adore. Est-ce que tu visites souvent le château de Versailles? Pas le château, mais en tout cas le jardin juste à côté, ouais. Tu m'étonnes, ça doit être tellement agréable d'aller se promener par là. Qu'est-ce que tu cherches? Pardon, est-ce que tu es bisounours ou indépendante? Un peu des deux, je dirais. Ok, on me dit que tu as une jolie voix dans les commentaires. Est-ce que tu cherches un homme, une femme ou les deux? Plutôt un homme. Plutôt un homme, ok. Entre quel âge et quel âge? Je dirais entre 31 et, je sais pas, 41. Ok, ça marche. Pour du sérieux, pour s'amuser? Non, plutôt du sérieux. Ok. T'es célibataire depuis combien de temps, Gertrude? Un an. Un an. Et pourquoi ta dernière relation s'est terminée? Le mec en question n'était pas disponible, on va dire, dans sa tête. D'accord. Et donc c'est lui qui est parti? C'est toi qui as dit stop? C'est moi qui suis partie parce que pour moi c'est important que la personne soit disponible aussi et une relation ça se fait à deux. Très bien, parce que tu te respectes et t'as dit je vaux mieux que ça. Exactement. Et bien bravo, bravo parce que c'est pas facile. Ok, donc là t'es passée à autre chose par rapport à cette relation? Bah oui, j'espère en tout cas. Ok, bah oui, j'espère aussi. tu fais quoi dans la vie? Je suis auxiliaire de périculture en salle de naissance. Ok, d'accord, donc tu fais des accouchements toute la journée. Voilà, c'est à peu près ça. Wow. Enfin, plutôt la nuit, si on veut. Plutôt quoi, pardon? La nuit. Plutôt la nuit, oh waouh, ok, très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'accouchements la nuit? Parce que je travaille de nuit, en fait. D'accord, c'est important à savoir. Non mais attends, tu dois avoir des journées super intenses, là, si tu passes tes nuits... Enfin, je veux dire, tu dois avoir une vie très intense, parce que c'est quand même des moments intenses, les accouchements. Toi, c'est juste ton taf, quoi. Ouais, c'est ça. Waouh, ok. Après, ça fait 9 ans que je fais ça. De quoi? Ça fait 9 ans que je fais ça. Ok, très bien. C'est quoi tes passions?
Mes passions, j'adore la musique, la danse. Après, là, je tente le volley cette année. Ok. Je suis un peu touche à tout, donc je fais de l'aquarelle aussi. Ok, très bien. On me demande Voilà, si enfin, tu je as... peux faire pas mal de choses en fait. On me demande si tu as des enfants. Non, pas d'enfant, Pas mais d'enfants? j'aimerais bien en avoir. D'accord, oui, très important de le préciser, effectivement, de se positionner là-dessus. Est-ce que le physique est important pour toi? Bah, je pense comme tout le monde, il faut un minimum de qu'on me plaise, mais après c'est important que je dise que je suis à 1,78 m aussi, ça peut être pas mal de le dire. Pourquoi? Parce qu'on t'a, on, ça a été un problème pour des gens que tu as rencontrés dans la vie? Non, mais bon, parfois les gens sont surpris quand ils me voient arriver, parce que je suis grande. D'accord. Ok, bon comme ça au moins pas de surprise. Effectivement, c'est vrai que c'est particulièrement grand pour une femme. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir sur toi? Je dirais que j'ai un chat, donc si on n'aime pas les poils ou les chats, faut pas venir vers moi. Ok. Ah, on me demande du coup, est-ce que tu as un problème avec la taille des hommes? Non, mon ex, il faisait 1,73 m, donc après, à ma taille, c'est bien. Après, 5 cm de moins, ça me dérange pas non plus. Mais plus, ça commence à te déranger. Ah, plus, non, il n'y a pas de souci, Enfin, non, plus. mais plus, enfin, je sais pas, par exemple, 10 cm de moins que toi, ça te dérange? Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Ok. La distance, c'est ok pour toi? Bah, franchement, moi, j'y crois pas trop aux relations à distance. Toi, tu crois pas trop à la relation à distance. Ok, donc quelle distance max Bah, vers Paris, quoi, enfin, Île-de-France. D'accord, dans la région parisienne. On me demande, tu commanderas quoi à boire pour notre premier date? Mojito, ça peut être pas mal. Mojito, ok, on adore. Très bien. Quel est ton film préféré? Alors là, aucune idée. Moi, je suis Ok. plutôt série. T'es plutôt série? Bon, ta série préférée alors. Une série qui te... Pas la série préférée, mais une série qui t'a plu dernièrement. Bah là, en ce moment, je regarde Lupin. Après, je sais pas si c'est ma série préférée, mais Ok. j'aime beaucoup de choses. Ok, ça marche. Quelqu'un qui serait intéressé par ton profil, comment il peut te joindre? Alors justement, j'ai pas eu le temps de regarder, mais il faudrait que je regarde mon Insta là. Ah oui, Ah oui, bon. c'est nécessaire. Alors, je sais pas comment je peux faire. C'est Nana Lily normalement. Insta de Gertrude, deux points. Nana, Lily. Je crois qu'il y a un E à la fin. Non, c'est Nana Lily. Ok, t'es sûre de toi? J'envoie. Bah, je pense que ça doit être ça, Ah oui. bah je te fais confiance, hein, tu sais mieux que moi. Bah après, je suis pas une geek, hein, du coup, je sais pas. J'ai Ah. Insta, mais je sais pas mon profil. Eh bah écoute, si, vérifie quand même, tu vas sur Insta, c'est pas difficile de vérifier quel est ton profil Insta. En fait, je vois deux choses. Il y a écrit soit Nana Lily, soit il y a écrit Nathalie BDN. Du coup, je ne sais pas. Alors on va écrire les deux comme ça les gens cherchent. C'est quoi ta photo de profil? Ma photo de profil, bah, j'ai des petites oreilles de Mickey sur la tête. D'accord. Mais Alors c'est également ma photo. Nathalie-BDN, c'est tiré du bas ou tiré du haut? Ah, il n'y a pas de tiret, moi. C'est. J'attends la fin de ta Allô? phrase. Oui, j'attends la fin de ta phrase. Il n'y a pas de tiré, c'est... La petite tirée, c'est juste Nathalie et plus loin Ah bah BDN. c'est donc c'est Nana Lily. C'est Nana Lily, ton Insta. Voilà. Ok, ça Ok. marche. Bon bah écoute, merci d'avoir participé. Et puis bah j'espère que tu trouveras le love, ma chère Nathalie, du coup. Je te remercie, Nad. Passe une bonne journée, à Bonne journée. bientôt. Ciao. Bonne journée. Au revoir. Sacré Gertrude. Oui, c'est Nana Lily. Merci beaucoup. Stalker mode on. Ah bah évidemment, bah c'est normal. C'est normal. Peut-être que... Je me demande s'il y a des gens qui trouvent le love genre au moins une fois par live. Si on a réussi à faire ça au moins une fois par live, c'est déjà une super nouvelle quoi. Très charmante. Ah bah voilà. Voilà, ma Gertrude, si t'es toujours parmi nous, quelqu'un te trouve très charmante et c'est une très bonne nouvelle. Envoyez-lui des messages privés. Alors attendez, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui me dit à Skip, il faut être ami avec Nad sur Discord pour lui envoyer un message privé. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez m'envoyer une demande de message privé. C'est ce que font les gens.
C'est ce que font les gens. Mes enfants. Non, tout le monde m'envoie des demandes de messages privés sans être mon ami, donc c'est envoyez-moi un petit cœur. De toute façon, je vais vous dire, il est 11h53, j'ai la dalle de ouf, je pense qu'on va faire le dernier appel, et puis qu'après, je vais aller manger, parce qu'après, j'ai des rendez-vous tout l'après-midi. Donc voilà, moi, je suis dans les amis de Nad, elle voit plus mes messages. Ah bon, non, mais c'est parce que je suis une mamie, je suis une question, juste une question, en privé, on ne peut pas envoyer un message sur Insta. Ah, Nana Lily, elle est en message, elle est en privé. Alors, Nana Lily, enlève-toi, réserve-toi les 10 prochaines années avec tous les mariages de tes abonnés. Tu vas devoir y aller, grave, grave. Oui, Nathalie, regarde tes DM, t'as envoyé des messages. Comment ça, idem, Artemis, je t'ai appelé tout à l'heure. Enfin, allez, j'appelle la dernière personne pour aujourd'hui. On va voir si cette personne répond parce qu'elle m'a... C'est un Alphonse qui m'a envoyé un message à 11h33. Donc j'espère qu'il est toujours là. Presque toutes les pages d'Insta aujourd'hui sont en privé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand le prochain, je me tâte à venir. Eh ben, c'est tous les mardis. Tous les mardis, le speed dating. Donc n'hésitez pas. Comme ça, là, vous avez eu le temps de voir. Et puis mardi prochain, hop, on refait un petit speed dating. Enfin, tous les mardis jusqu'à ce que j'en ai marre. Salut Alphonse. Bonjour. Comment ça va? Oh, ça va bien. Tu m'entends bien? Ouais, j'espère que tu m'entends bien aussi, parce que je suis sur téléphone. Oui, oui, je t'entends très bien. C'est quand même le principe du téléphone, de pouvoir s'entendre quand on parle. Quel âge as-tu, Alphonse? J'ai 26 ans. 26 ans, t'habites dans quel coin? Alors, j'habite actuellement en Normandie. Je varie un peu entre Normandie et Bretagne. D'accord, t'es où en Normandie? Alors, du côté de Caen. Du côté de Caen, et en Bretagne, t'es où? Du côté de Rennes. De Rennes. Voilà, j'allais dire de Rennes, c'est ça. Je suis nulle en géographie. Ça reste un peu dans le coin quand même, Grand Est. D'accord. Grand Ouest. Oui, Grand Ouest, voilà. Parce que. Oui. t'es plutôt bisounours ou indépendant? Par la force des choses, je suis plutôt indépendant. Après, je suis quand même quelqu'un de très câlin, tout ça. Ok, oui, donc en fait, t'es plutôt bisounours, mais tu l'es pas avec n'importe qui, quoi. Oui, voilà. Bah après, même avec des amis ou quoi, je peux quand même être câlin ou quoi que ce soit. Je suis un peu tactile, mais voilà. Le fait est que là, étant célibataire, forcément, je suis indépendant. Je le vis bien quand même. Bien sûr. Non, ce que je veux dire par bisounours ou indépendant, c'est est-ce que t'es très câlin bisou ou est-ce que t'es plutôt pas très branché bisou câlin? Non, je suis quand même branché, câlin, bisous, tout donc ça. Donc t'es bisounours. Tu cherches un homme, une femme, les deux? Une femme. Une femme, entre quel âge et quel âge? Entre 20 ans et 30 ans. Ok, pour du sérieux, pour s'amuser? Non, moi je cherche pour du sérieux. Après, on va pas se mentir, s'il y a, voilà, pour s'amuser, On va pas cracher dessus. On peut quand même rentrer en contact quand même. Voilà, okay, on va pas cracher dessus comme si. Il a faim, Alphonse, je vous le dis, il a faim. T'es célibataire depuis combien de temps? C'est pas l'idée non plus de faire le charreau, le dalleux ou quoi que ce soit. T'es célibataire depuis combien de temps, Alphonse? Moi, ça va faire 2 ans. Depuis 2 ans, t'es célibataire, ok. Pourquoi ta dernière relation s'est arrêtée? Donc, c'était une relation à distance. En fait, on s'est connus sur Internet. Et puis, en fait, on n'avançait pas tous les deux. On était un peu différents. Et puis, on n'arrivait pas à voir quoi que ce soit. Comment dire ça? On n'avançait pas, quoi. On restait, on était en train de stagner. Et puis, on faisait rien tous les deux. On n'arrivait pas à construire quelque chose. Ok, ça marche. Et du coup, qui est-ce qui a mis fin à cette relation? C'est moi. Ok, donc t'es passé à autre chose, c'est bon? Oui. Super. Oui, j'ai eu un peu le rôle du méchant, mais bon, à un moment, ça marchait pas, ça marchait pas, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un moment, c'est pas méchant que de mettre fin à une relation qui fonctionne pas. Tu vous as rendu service, on va dire. Tu fais quoi dans la vie, Alphonse? Je suis militaire de la gendarmerie. Ok, militaire dans la gendarmerie, ça veut dire que tu pars pour des missions pendant des semaines et des mois ou tu rentres à la maison tous les soirs? Non, je suis en brigade, donc militaire de la gendarmerie, oui, c'est le gendarme, concrètement. Donc tu rentres à la maison tous les soirs? Oui, voilà. Ok, c'est important parce que c'est pas... De quoi? En principe, c'est le boulot fait que des fois, y a des impératifs de service, mais
Globalement, oui, je rentre tous les soirs dans mon petit appartement. D'accord, très bien. Quelles sont tes passions? Écoute, j'ai plusieurs passions, loisirs, forcément. Je vais dire que je vais rester sur une passion un peu pas très connue et un peu tabou entre guillemets en France. Moi, j'ai une petite passion pour ce qui est armes, donc armes à feu, armes de collection. D'accord. C'est vrai qu'en France, c'est pas commun, mais moi, Bon, après, c'est quelque chose aussi bien. pour un gendarme, ça Comment? passe. Bah mais c'est une passion que j'avais déjà avant, aussi bien que ça soit au niveau du tir, parce que je pratique le tir autrement en club, Ok. que le mécanisme, l'histoire qui va avec. Voilà, Ok. les armes historiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ok. Donc c'est quelque chose d'assez peu commun, d'assez méconnu en France. C'est pour ça que je dis assez un peu tabou, parce que bah, c'est vrai que chez nous, les armes à feu, tout de suite, ça fait une mauvaise référence. Yes. C'est quelque chose qui peut faire un peu peur. Non, non, mais Quand t'as raison d'en parler. T'as raison c'est quelque chose de enfin, très intéressant voilà, et qui c'est gagne à ta être connu. passion de toute façon, donc c'est ça qui compte. La distance, c'est OK pour toi ou tu préfères des gens qui habitent près de toi? Alors, moi, je préfère avoir quelqu'un qui est à côté de chez moi. D'accord. Après, bon, même en parlant comme ça à distance, c'est pas quelque chose non plus de rédhibitoire. D'accord, donc combien de temps max? Je sais pas, 2 heures, hein. 2 heures, ok, ça marche. Quelqu'un qui serait intéressé par toi, comment elle peut te joindre? En premier contact, on peut passer par Discord. Ok, Donc, alors mon pseudo, Discord. c'est Virloc. Alors vas-y, tu peux Donc, m'aider, s'il te plaît? avec un V majuscule, Ouais. IRLOQUE. Alright, merci beaucoup, mon cher Alphonse. Et bah écoute, merci d'avoir participé et d'avoir été le dernier participant de ce live. Ben merci à toi de m'avoir reçu. Et bah trop cool. Merci, passe une bonne journée, Alphonse. À bientôt. Merci, bonne journée à tout le monde. Ciao. Au revoir. Et bah voilà, je sais pas combien de speed dating on a fait aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une passion bien pratique pour se débarrasser des compagnes embêtantes. Bon bah après, moi je pense qu'il fait bien de le préciser dans le sens où, bah tu sais, si les armes pour toi c'est un problème et tout, bah forcément tu vas pas sortir avec quelqu'un dont c'est la passion, tu vois. Donc non, c'est important de préciser. Attendez, juste pour la petite histoire, j'ai envie de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a fait 16 personnes en speed dating aujourd'hui. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, en 2h30 de live, c'est beau. C'est beau. Donc bah merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous demain matin. Ah oui, je voulais vous poser une question avant de partir. Est-ce que demain, on se refait un live éducation sexuelle comme la semaine dernière? Ou est-ce qu'on se fait juste on papote comme d'hab? Vous savez quoi, je vous fais un petit sondage. Dites-moi, hop. Slash Paul, hop. Alors, demain, on fait quoi? Hop, éducation sexuelle, hop, on papote, autre. Je commence le sondage, vous me dites ce que vous voulez. Je vous invite à voter dès à présent. Parce que du coup, j'ai vu que le live éducation sexuelle avait beaucoup plu. Est-ce qu'il y aura une rediff? Oui, Green Gamer, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Utile Futile. C'est écrit juste là. Donc, éducation sexuelle, on papote. D'accord. Je vous laisse voter, hein. Tu refais du speed dating bientôt, tous les mardis. Tous les mardis, le speed dating. Donc, pour celles et ceux qui veulent que le speed dating. En gros, là, le programme de la semaine, de toute façon, il est dispo hein, sur ma chaîne. C'est demain, normalement, on fait soit un on papote, soit éducation sexuelle. Je vais voir ce que vous votez. Autre, il n'y a personne. Donc, déjà, c'est clair. C'était cool, l'éducation sexuelle. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai très envie de faire ça. Jeudi, je vous téléphone pour que vous me racontiez vos histoires les plus folles, que ce soit croustillant, marrant ou un peu dark et un peu triste. Voilà, je vous téléphone et puis on fait ça. Vendredi, on papote. Et voilà. Donc, après, peut-être que je vais trouver quand même d'autres concepts entre-temps. Mais voilà, un petit peu des deux sinon. Oui, bah de toute façon, vous me connaissez, moi je papote, blablabla, on part dans tous les sens, hein. Mais peut-être que je vais refaire éducation sexuelle, même si je vois que à voter, vous êtes plus en mode on papote. Oui, peut-être qu'on fera un peu des deux.
Mais je l'appellerai quand même éducation sexuelle, histoire de changer. Ok, ben merci infiniment d'avoir participé à ce live, c'était super cool. Oui, éducation sexuelle, ça varie au moins, je suis d'accord avec toi. Ben, on va peut-être faire ça. Merci d'avoir participé, c'était super cool. Je vous donne rendez-vous demain matin, du coup, 9h30 sur ma chaîne Twitch. Et merci à tous celles et ceux qui ont sub, merci pour le soutien. N'hésitez pas à vous follow, au moins, comme ça, au moins, vous avez la petite notification quand je démarre. Et je vous dis à demain. Love you. Ciao, ciao.